Qu'est-ce que le dropshipping ? Le dropshipping est un modèle de vente en ligne qui met en relation un fournisseur, un revendeur et un acheteur. Ce système d'e-commerce simplifié consiste à vendre ce qu'on ne possède pas. Concrètement, le revendeur gère une marketplace en ligne et fait la promotion de produits par ce biais. Le client fait son achat en ligne via la plateforme e-commerce. Le revendeur reçoit la commande et la transmet au grossiste. Et enfin, le grossiste se charge de la production et de la livraison. Quels sont les avantages du dropshipping ? Le système de dropshipping permet notamment au revendeur de lancer sa propre entreprise, d'engager un faible investissement de départ, de diminuer considérablement ses coûts d'exploitation et de desservir une clientèle très large, sans contraintes physiques, géographiques ou temporelles. Quels sont les inconvénients du dropshipping ? Du côté du fournisseur, le dropshipping a l'inconvénient de créer une dépendance à la plateforme du distributeur et de ne pas permettre le contrôle des informations véhiculées sur son produit. Du côté du distributeur, le dropshipping a l'inconvénient de créer également une dépendance vis-à-vis du fournisseur et aussi de subir les éventuels défauts de gestion du fournisseur ou la mauvaise qualité de ses produits ou de la livraison. Quelle est la différence entre flux tiré et flux poussé ? Il y a deux manières d'opérer le dropshipping. On parle de système de flux tiré quand c'est le distributeur qui estime la quantité à produire une fois les commandes reçues. Dans ce cas, c'est le distributeur qui assume les coûts de surstock. On parle de système de flux poussé quand c'est le distributeur qui transmet les commandes au fournisseur qui évalue la quantité de production. Dans ce cas, c'est le fournisseur qui subit les coûts d'éventuels surplus.